fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des Impériaux. Tout comme nous, et ce voleur-là. Maudit sombrage. Porte de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval, et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Mais puisque vous vous êtes fait prendre, par Dieu, où nous emmène-t-il? Aucune importance. Ce Vengard est au bout du chemin. De quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Général Tullius, chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Regardez, le général Tullius, gouverneur militaire. Je dirais que les Talmor sont avec lui. Satanuel. Il paraît qu'ils ont quelque chose à voir dans tout ça. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'y ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromène. C'est amusant. Des petits, les remparts et les tours des Impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Allons-y, ne faisons pas attendre les vieux. Non, attendez, nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire, on n'était pas avec vous. C'est une erreur. Pensez en direction du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer! Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Attendez. Vous là, avancez! Qui êtes-vous? Vous avez bien mal choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, capitaine. Désolé. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Sombrage. Certains ici à Elgen vous prennent pour un héros. Mais un héros n'utilise pas un pouvoir comme celui de la voix pour assassiner son roi et usurper son trône. Vous avez commencé cette guerre, plongé bord de ciel dans le chaos. Désormais l'Empire va vous abattre et rétablir la paix. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est rien. Continuez. Oui, Général Tullius. Accordez-leur leur dernier rite. Nous recommandons vos âmes à Aetherius,
Que les huit divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voulez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me sourient, Aperio. Pouvez-vous en dire autant ? Chien d'Imperio ! Justice ! Mort au sombrage ! Aussi courageux dans la mort que pendant toute sa vie. Maintenant, le Nordique en haillons. Ça recommence. Vous avez entendu ? J'ai dit au suivant ! Allez, au bio ! Et dans le calme. Faites des merveilles. Encore en vie. Restez près de moi si vous voulez que ça continue. Gunnar, occupez-vous du garçon. Je dois trouver le général Tullius et rejoindre les défenses. Que les dieux vous guident, Alphard. Restez près du mur. N'éloignez pas. Comment allons-nous les baisser ? Meurs ! Le dieu meurt ! Quelle est cette chose ? Alors, espèce de traître ! Hors de mon chemin ! T'enfuis, Advar, et vous ne nous arrêterez pas cette fois. J'espère que ce dragon vous enverra tous à Sauvengarde. Venez, pas dans le corps. En avant, avec moi. Il arrive. Quel traître.